Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment activer le mode sombre sur WhatsApp pour Android et iOS. Avant, il n'était disponible que pour les testeurs bêta sur Android. Aujourd'hui, il est disponible pour tout le monde, que ce soit iOS ou Android. Sur Android, pour l'avoir, premièrement, il faut aller sur Play Store. Dans Play Store, cherchez la dernière mise à jour. Si votre application n'est pas à jour, vous trouverez ici « Mettre à jour ». Vous n'avez qu'à toucher « Mettre à jour » et l'application sera à jour. Si vous trouvez « Comme moi, ouvrir », ça veut dire que l'application est à jour. Ou autrement dit, le mode sombre n'est pas encore arrivé sur votre appareil. Parce que le déploiement des modes sombres se fait progressivement. Il faut attendre encore quelques jours pour avoir cette fonctionnalité. Une fois que l'application WhatsApp est à jour, c'est très simple. Il faut aller sur WhatsApp, puis sur les trois points ici. Après, paramètres. Dans paramètres, il faut aller dans discussion. Et là, vous trouvez thème, touchez thème. Et dans thème, vous avez le choix entre le mode clair qu'on utilisait avant et le mode sombre que tout le monde cherche. Pourquoi? Parce que, premièrement, il ne consomme pas de l'énergie et, deuxièmement, il ne fatigue pas les yeux durant l'utilisation de l'appareil pendant la nuit. Si votre version Android est 10, dans ce cas, vous allez dans les paramètres et à partir des paramètres du système, activez le mode sombre et il sera appliqué automatiquement sur WhatsApp. Alors maintenant, on passe à iOS. Pour iPhone, premièrement, il faut que votre appareil prenne en charge la version iOS 13. Ça veut dire qu'il faut avoir un appareil de type iPhone 6S et plus. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le mode sombre. Après, vous avez deux méthodes pour activer ce mode. Le premier, vous allez dans le centre de contrôle. Après, vous allez faire un appui long sur luminosité ici. Et là, vous aurez ici la possibilité d'activer le mode sombre. Deuxième méthode, il faut aller dans réglages. Et après, vous allez trouver ici l'option écran et luminosité. Accédez à cette option et vous allez trouver le mode sombre. La différence entre Android et iOS, c'est que sur iOS, le mode sombre s'active à partir des paramètres de l'appareil et vous ne pouvez pas l'activer à l'intérieur de WhatsApp. Par contre, sur Android, le mode sombre est indépendant des paramètres de l'appareil et s'active à l'intérieur de l'application WhatsApp. Et n'oubliez pas d'aller sur App Store et vérifier la mise à jour de l'application WhatsApp, bien sûr, sur votre appareil et de type iPhone S6 et plus. Le cas de mon appareil qui est iPhone 6 ne prend pas en charge le mode sombre. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.